Donc, troisième partie du cours sur le bonheur. Avons-nous le devoir d'être heureux? Alors, tout d'abord, on peut commencer par contester cette idée. C'est la critique que Kant fait à plusieurs reprises dans différents textes, dans la critique de la faculté, dans la critique de la raison pratique, dans la fondation de la métaphysique des mœurs, dans la doctrine de la vertu. Kant explique régulièrement que l'idée d'un devoir d'être heureux est une absurdité, et quelque chose qu'on ne peut pas même concevoir, une forme de contradiction dans les termes. Pourquoi? Le devoir est, par essence, désintéressé. Et obligatoire. La quête du bonheur est par essence intéressée et spontanée. Donc, le contraire de désintéressé et d'obligatoire. Et donc, il est absurde, pour Kant, il est absurde de dire que j'ai le devoir d'être heureux. Vous comprenez bien pourquoi. Alors, peut-on contester cet argument? Peut-on réfuter l'argument de Kant selon lequel il n'y aurait pas de devoir d'être heureux? C'est ce qu'on va s'efforcer de faire dans les parties qui viennent, dans les deux prochaines parties. Et on va commencer par l'argumentation qu'un philosophe qui s'appelle Alain, qui était prof de prépa, de classe préparatoire, alors je donne cet élément de sa biographie parce que c'est important, c'est un prof qui avait une quarantaine d'années, il avait 47-48 ans quand éclate la Première Guerre mondiale, et il va se porter volontaire, alors qu'il aurait pu être exempté de la mobilisation générale, il va se porter volontaire pour combattre dans les tranchées, alors qu'il aurait pu parfaitement y échapper. Pourquoi? Parce que ça lui fait légèrement mal au cœur de voir ses élèves partir au front, alors que lui reste au chaud dans sa salle de cours. Et donc il va se porter volontaire, il va survivre à la guerre, il va revenir de la guerre, et il va écrire ses propos sur le bonheur, qui est publié en 1923. Le contexte de la guerre est très important pour comprendre la tonalité de ce texte et le sens qu'il peut avoir. Oui, Alain, c'est un pseudonyme. Voilà. De son vrai nom, je ne sais plus comment c'est. Son pseudonyme, c'est Alain. Voilà. C'était son nom de plume, son nom d'écrivain. Je lis le texte. « Ce que l'on n'a point assez dit
c'est que c'est un devoir aussi envers les autres que d'être heureux. On dit bien qu'il n'y a d'aimé que celui qui est heureux, mais on oublie que cette récompense est juste et méritée. Car le malheur, l'ennui et le désespoir sont dans l'air que nous respirons tous. Aussi, nous devons reconnaissance et couronne d'athlète à ceux qui digèrent les miasmes et purifient en quelque sorte la commune vie par leur énergique exemple. Aussi, n'y a-t-il rien de plus profond dans l'amour que le serment d'être heureux? Quoi de plus difficile à surmonter que l'ennui, la tristesse ou le malheur de ceux qu'on aime? Tout homme et toute femme devrait penser continuellement à ceci, que le bonheur, j'entends celui que l'on conquiert pour soi, est l'offrande la plus belle et la plus généreuse. J'irais même jusqu'à proposer quelques couronnes civiques pour récompenser les hommes qui auraient pris le parti d'être heureux. Car, selon mon opinion, tous ces cadavres, toutes ces ruines et ces folles dépenses et ces offensives de précaution sont l'œuvre d'hommes qui n'ont jamais su être heureux et qui ne peuvent supporter ceux qui essaient de l'être. Alors, que nous dit Alain dans ce texte? Alain retourne l'argumentation kantienne dans ses propos sur le bonheur. Fait, c'est une critique classique qu'on peut adresser à Kant. Il retourne l'argumentation kantienne sur le bonheur et la morale en montrant que l'intention intéressée de celui qui cherche à être heureux importe peu. Au fond, et en fait, c'est une critique qu'on peut adresser à la morale kantienne de manière générale. Pour Alain, peu importe l'intention. Peu importe l'intention d'une action. Ce qui compte, c'est le résultat, l'effet, la conséquence. C'est le conséquentialisme, parfaitement. Alors le conséquentialisme, ça s'applique à la morale, ça s'applique au bonheur, ça s'applique à l'économie. L'idée est que on peut commettre une action avec de mauvaises intentions, mais malgré tout, ou des intentions tout simplement non morales, et ça va avoir un effet bénéfique sur la société, et c'est au fond, peu importe l'intention, si l'effet est bénéfique. Et c'est exactement ce que va dire Alain. Si la quête du bonheur est intéressée, l'effet du bonheur est collectif. Le bonheur est contagieux, comme l'est le malheur. Si la quête du bonheur est intéressée, et elle est intéressée, j'ai envie d'être heureux. Mais l'effet du bonheur est collectif. Le bonheur est contagieux. Anna. Si. Quand on va dire il n'y a pas de devoir d'être heureux, Alain va dire il y a un devoir d'être heureux, même si l'intention que j'ai en étant heureux est intéressé, en réalité, l'intention compte peu face à l'effet collectif que peut avoir le bonheur d'un seul individu. Quelqu'un qui est heureux rend heureux. Okay. Et ça, c'est quelque chose. Enfin,
On peut en faire une obligation morale, d'une certaine manière. Précisément à cause de l'effet que le bonheur a sur les gens, que l'effet a sur l'entourage de celui ou de celle qui est heureux ou heureuse. Autrement dit, la quête du bonheur est individuelle. Mais elle a un effet social et Alain dit même civique. Car qui est heureux rend heureux. Être en couple avec un ou une dépressif, je vais arrêter l'écriture inclusive, être en couple avec un dépressif rend dépressif. Être en couple avec quelqu'un d'heureux rend heureux. Et c'est vrai, d'une certaine manière. Le bonheur est tout aussi contagieux que le malheur. Et ce que dit Alain, c'est qu'on a, et en fait c'est particulièrement fort, pour quelqu'un qui... à passer 4 années dans les tranchées, c'est particulièrement fort. Ce que dit Alain, c'est que les survivants ont le devoir d'être heureux. Soyez heureux. C'est un devoir civique à présent. Alors, on pourrait objecter à Alain que le bonheur est un sentiment et qu'on ne peut pas décider d'un sentiment. Je ne peux pas décider d'être heureux, je peux le vouloir, mais non décider d'un état psychologique. Et Alain répondrait, mais décider d'être heureux, c'est déjà avoir fait la moitié du chemin. Refuser de se laisser abattre par le malheur. Se tenir debout, faire face, faire preuve de courage face à l'adversité, en voulant être heureux. C'est finalement prendre le parti d'être heureux. Comme il le dit, et donc être heureux. Et on revient d'une certaine manière à ce que Hobbes disait, mais c'est une conception qui est quand même très éloignée de ce que pouvait dire Hobbes. Pour Alain, le bonheur n'est pas un état, c'est plutôt une activité et une vertu. Le bonheur, c'est pas simplement un état, c'est pas simplement
Être heureux, c'est pas simplement un état, c'est tout faire pour être heureux, agir pour être heureux et résister au malheur. C'est ça le bonheur, oui. Une addiction? Pourquoi? Non, je dirais pas que c'est une addiction, je dirais que c'est une vertu. À savoir, c'est la capacité à surmonter le malheur, comme on dirait dans la Légion étrangère, à faire face à l'adversité. Et ça peut pas s'apparenter à une addiction. Une addiction, c'est une dépendance qui conduit à l'affaiblissement général en fait de la volonté et du corps. C'est quelque chose qui prend une place monstrueuse dans notre existence et au point de devenir indispensable, alors que la vertu dont parle la vertu du bonheur dont parle Alain ici, c'est plutôt la capacité précisément d'être maître de soi-même, de ne pas se laisser bouffer, si je puis me permettre cette expression, par l'ennui, par le malheur, par le désespoir. C'est cette capacité à toujours faire face. Alors, ouais. Oui, mais justement, si on comprend le bonheur comme une vertu, c'est-à-dire cette faculté de résister au malheur, de résister au désespoir, alors on sera capable de résister face au désespoir, face à la tristesse, face à certains, face au spectacle en fait de la tristesse, si vous voulez. Ouais, Anna. Non, effectivement, il ne faut pas attendre le bonheur, il faut d'une certaine manière aller le chercher. Et il faut surtout, en fait, Alain n'invente pas grand-chose, hein. Les stoïciens disaient à peu près la même chose. C'est des textes que j'ai relus souvent ces derniers temps. En fait, il est très facile, en fait. La vertu, c'est faire ce qui est difficile. Le vice, c'est faire ce qui est facile. Okay. Il est très facile de se complaire dans son malheur. Il est très facile de se complaire dans sa tristesse. Et dans certaines situations, comme la perte d'un proche, on se rend compte que ce qui vous aide véritablement, ce ne sont pas les gens qui viennent pleurer dans vos bras. Ce sont plutôt ceux qui se tiennent debout, fermes en fait, droits, et qui vous aident le plus facilement à traverser ce genre d'épreuve. C'est pas cette certaine, enfin cette mollesse, ce pathos qui peut aider à surmonter l'épreuve, si tant est qu'elle puisse être surmontée. C'est plutôt cette forme de vertu dont parle Alain, qui est exactement ce qu'il dit, rien de plus profond dans l'amour que le serment d'être heureux. C'est-à-dire, c'est vraiment ça l'amour. C'est le fait de se dire, quoi qu'il arrive, on sera heureux et on fera tout pour l'être. Effectivement, quand on vit ça de l'intérieur, on comprend beaucoup mieux ce que peut écrire Alain. Mais je pense que c'est très vrai. Y a des gens qui se complaisent dans la tristesse, qui se complaisent dans la plainte, qui n'existent que sur ce mode-là. Fuyez-les et soyez heureux. Je n'ai que ce conseil-là, et c'est le conseil qu'Alain donnerait aussi. Et si un type qui a pu voir, à mon avis, des dizaines, voire des centaines de types mourir autour de lui, est capable d'écrire ce texte, je pense que on est tous, on en est tous capables. En tout cas, ça doit être
être pour chacun d'entre nous un devoir. Optimiste, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, féroce dans son appétit de vivre. Oui, ça c'est certain. Grand, et je pense que j'ai à peu près tout dit. Okay. Simplement ceci encore, il s'agit, une précision, il ne s'agit pas de faire semblant d'être heureux, mais simplement de tout faire pour l'être. En fait, c'est bien le contraire de faire semblant. Il ne s'agit pas de sourire bêtement, il ne s'agit pas de s'abrutir de médicaments pour ne plus ressentir la peine, au contraire, il s'agit d'affronter la peine. Et ça, c'est faire preuve de courage, justement. Oui. Ah non, au contraire, d'une certaine manière, c'est affronter l'adversaire, c'est reconnaître l'adversaire que de l'affronter véritablement. Pour surmonter la tristesse, il faut la ressentir, il ne faut pas la nier, et il ne faut pas non plus se complaire là-dedans. Bon, j'ai encore parlé de moi, j'ai l'impression, mais il y a une expression que je déteste, si vous voulez, de manière assez forte, c'est l'expression de faire son deuil. Comme si, au bout d'un moment, je ne sais pas, on avait nettoyé ses inbox, et on avait purgé ce qu'on avait à purger. On ne fait pas son deuil, on porte toujours cette tristesse en soi. C'est quelque chose de très religieux, d'une certaine manière. On est toujours dans le souvenir, dans la mémoire, ça nous accompagne en permanence. Mais ça doit surmonter en permanence. Et ça ne sera jamais définitif, si vous voulez, ce travail-là. Il n'y a pas de travail du deuil, on ne fait pas son deuil. Ouais. Oui, on a accepté, effectivement, on l'a surmonté, et surtout, ça veut dire, mais oui, mais il y a quelque chose du travail de la mémoire permanent dans cette activité-là, si vous voulez. Il y a d'une certaine manière, il y a une sorte de rapport à l'histoire. Et c'est ce que fait un petit peu, même carrément, Alain dans ce texte. Il ne s'agit pas d'oublier, en l'occurrence, ses camarades tombés au combat. Il s'agit de les honorer par ce devoir d'être heureux. C'est une sorte de... Non pas de devoir de mémoire, j'aime pas trop cette expression, en tout cas pour l'histoire officielle, mais c'est quelque chose de justement de personnel et d'intime, ce devoir de mémoire. Okay. Faut prendre cette expression-là dans son sens le plus intime. Grand 4. Le bonheur et la satisfaction, quelle valeur attribuer au bien-être. Là, on va faire un grand cours sur l'utilitarisme dans sa version millienne. John Stuart Mill, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré sur la question de la liberté d'expression, si vous vous souvenez. On va voir vraiment le principe, le fondement de sa philosophie et également ses applications politiques contemporaines. D'une certaine manière, c'est la philosophie morale qui est quasiment le symétrique de la philosophie kantienne. Kant, c'était un pur intentionnaliste. Mill, c'est un conséquentialiste, très clairement. Alors, on va lire ce texte et le commenter au fur et à mesure. Simplement, question, est-ce que vous avez lu l'Odyssée d'Homère?
ou entendu parler de... Alors, il y a y a un passage célèbre de l'Odyssée. Donc, l'Odyssée, ça raconte le périple d'Ulysse pour rentrer chez sa femme, Pénélope, qui va durer 20 ans, sachant que la guerre de Troie dure 20 ans, que Ulysse va mettre 20 ans à rentrer, qu'il est parti à 20 ans. Bon, sa femme l'attend pendant 40 ans. Sainte femme. Et Ulysse va rencontrer un certain nombre de tentations auxquelles il va plus ou moins céder, notamment la magicienne ou la sorcière Circé. Circé qui va piéger les compagnons d'Ulysse, les marins d'Ulysse, en les nourrissant et en les transformant en porcs. Il y a un passage célèbre où Ulysse va reconnaître dans le regard de ses porcs, ceux de ses compagnons. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Je pense que Mill pensait à ça quand il a écrit ce texte. Donc c'est le chapitre 2, ce qu'est l'utilitarisme. Peu de créatures humaines accepteraient d'être changées en animaux inférieurs sur la promesse de la plus large ration de plaisir de bête. Aucun être humain intelligent ne consentirait à être un imbécile, aucun homme instruit à être un ignorant, aucun homme ayant du cœur et une conscience à être égoïste et vil, même s'ils avaient la conviction que l'imbécile, l'ignorant ou le gredin, pardon, sont avec leur lot respectif plus complètement satisfaits qu'eux-mêmes avec le leur. Ils ne voudraient pas échanger ce qu'ils possèdent de plus qu'eux contre la satisfaction la plus complète de tous les désirs qui leur sont communs. S'ils s'imaginent qu'ils le voudraient, c'est seulement dans des cas d'infortune si extrême que, pour y échapper, ils échangeraient leur sort pour presque n'importe quel autre, si indésirable qu'il fût à leurs propres yeux. Un être dépourvu de facultés supérieures demande plus pour être heureux, est probablement exposé à souffrir de façon plus aiguë, et offre certainement à la souffrance plus de points vulnérables qu'un être de type inférieur. Mais en dépit de ces risques, il ne peut jamais souhaiter réellement tomber à un niveau d'existence qu'il sent inférieur. Croire qu'en manifestant une telle préférence, on sacrifie quelque chose de son bonheur, croire que l'être supérieur, dans des circonstances qui seraient équivalentes à tous égards pour l'un et pour l'autre, n'est pas plus heureux que l'être inférieur, c'est confondre les deux idées très différentes de bonheur et de satisfaction. Incontestablement, l'être dont les facultés de jouissance sont d'ordre inférieur a les plus grandes chances de les voir pleinement satisfaites, tandis qu'un être d'aspiration élevée sentira toujours que le bonheur qu'il peut viser, quel qu'il soit, le monde étant fait comme il est, est un bonheur imparfait. Mais il peut apprendre à supporter ce qu'il y a d'imperfection dans ce bonheur, pour peu que celle-ci soit supportable. Et elles ne le rendront pas jaloux d'un être qui, à la vérité, ignore ses imperfections, mais ne les ignore que parce qu'il ne soupçonne aucunement le bien auquel ses imperfections sont attachées. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Et si l'imbécile ou le porc sont d'un avis différent, c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. L'autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux côtés. Connaît les deux côtés. Alors, il faut se demander ce que Mill veut dire quand il dit que l'être intelligent, l'autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux côtés. Pourquoi vaut-il mieux, et c'est la question que je vous pose, pourquoi vaut-il mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait? Pourquoi? D'après Mill. Question que je vous pose vraiment.
J'attends une réponse. Pourquoi est-ce que, d'après Mill, il vaut mieux être Socrate, malgré toutes ses insatisfactions, qu'un imbécile, malgré toute sa satisfaction, ou plutôt à cause de toute sa satisfaction? Ouais. Alors, oui, d'une certaine manière, on pourrait dire ça de manière plus simple encore, c'est que le bonheur auquel peut prétendre un imbécile sera toujours inférieur à celui auquel Socrate pourra prétendre. Autrement dit, même dans un état d'insatisfaction extrême, Socrate sera plus heureux qu'un imbécile, que le premier imbécile venu. Pourquoi? Et c'est là qu'on rentre véritablement dans l'explication du texte. Pourquoi? Qu'est-ce que la satisfaction et qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que la satisfaction et qu'est-ce que c'est que le bonheur dans le texte de Mill? Je vais vous laisser relire ce texte et j'aimerais que vous me disiez comment vous définiriez la satisfaction. Par rapport à quoi vous définiriez la satisfaction? Par rapport à quoi vous définiriez le bonheur? Qu'est-ce que serait que le bonheur par rapport à la satisfaction? Voilà. Sauf si vous avez déjà une idée. Ouais. Ouais, ben non, justement, s'il y a une distinction, c'est précisément parce que il y a une opposition ici entre la satisfaction et le bonheur. Ah oui, c'est effectivement, il faut que. On ne peut pas dire qu'il n'y ait aucun lien entre la satisfaction et le bonheur. Simplement, il y a une distinction. Faudrait trouver cette distinction. Pourquoi est-ce que Mill distingue pourquoi Mill distingue-t-il la satisfaction et le bonheur? Oui. Oui. Ça ne nous rend pas forcément heureux. Quand est-ce que je suis satisfait? Effectivement, c'est quand mes désirs sont comblés. Autrement dit, y a l'idée dans la satisfaction d'une quantité de plaisir à atteindre, pardon. Une fois que cette quantité est atteinte, je suis satisfait. Oui. Oui, effectivement, la satisfaction est ponctuelle. Effectivement, alors que le bonheur est, en tout cas, il y a l'exigence d'une permanence. Oui, c'est vrai. Non, je comprends. Autrement dit, le bonheur, c'est quoi? Non. Non, 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 non. C'est ce que vous avez dit au tout début. Le bonheur, c'est une exigence. Le bonheur, c'est effectivement, c'est l'exigence de pouvoir sans cesse, en fait, obtenir le maximum qualitatif de plaisir, de raffinement, d'intensité. Okay. Donc, si je reprends de manière un petit peu, de manière un petit peu organisée, ce que nous venons de voir, Mill va distinguer dans le chapitre 2 de l'utilitarisme. Le bonheur de la satisfaction. Oui, Mill va distinguer dans l'utilitarisme le bonheur de la satisfaction.
Qu'est-ce que la satisfaction? La satisfaction, l'état de satiété que l'on atteint grâce à une certaine quantité de plaisir. C'est l'état de satiété. Ça veut dire, c'est on est comblé. De satiété, SATIE, accent aigu, TE, accent aigu. La satiété, c'est quand on n'a plus faim, en gros. Quantité de plaisir. Autrement dit, on est satisfait lorsqu'on en a assez, lorsqu'on en a suffisamment. Bon, la suite au prochain épisode.